C'est un match qu'on a plus ou moins contrôlé. Hein, depuis le début, on a surtout joué la première mi-temps contre le vent. On a su se créer des situations. Après, en deuxième mi-temps, on s'est créé quand même quelques belles occasions. On marque sur l'une d'entre elles. Après, on se fait rejoindre sur un corner sur lequel on est un peu passif. Aujourd'hui, par rapport à nous, on était un peu meilleur. Mais ça n'a pas suffi. Donc, on repart avec un point. On partage des points et puis voilà. Donc, il y a un peu une petite spirale. On a eu quelques défaites récemment. Donc, on prend un point ici. Mais c'est sûr qu'on a, on est un petit peu déçu parce qu'on aurait pu, partir avec un peu plus qu'un point. Après ce match nul partout contre Mulhouse, on a un peu des regrets, mais on va retenir la réaction des joueurs. C'est des petites successions d'erreurs individuelles où on donne le ballon à l'attaquant qui va seul face à notre gardien. Voilà, mais on met tout ce qu'il faut pour revenir, on revient à 1-1. Et dans les 5 dernières minutes, on pousse, on n'arrive pas à mettre le 2-1. Enfin, voilà, on va retenir le verre à moitié plein, garder la confiance pour finir la première partie de saison correctement à Lille. Sachant que vu d'où l'on vient, on raccroche quand même les équipes juste devant nous et c'est de bon augure pour le maintien. Un partout. Donc, cette rencontre, on rappelle Idrissa Souma, la nouvelle marque pour les Blancs de Mulhouse, avant que notre buteur Maison Idol légalise un but partout. On aurait pu avoir mieux en fin de match, hein, mais bon. Voilà, un point. Il a sa prise dans la remontée. Pour vous rappeler donc le match de demain entre l'équipe réserve face à Colmar et première date ultérieure.